enchaînement. Livraison, ça part sur un unboxing. Wouh, truc de malade. Bien le bonsoir messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça n'arrive pas tous les jours, mais on part sur un petit unboxing. Hein. C'est Noël, j'ai reçu un petit colis. Alors c'est mon petit Noël à moi, je suis super content parce que j'avais grave envie de découvrir ça. Asus m'a envoyé le nouveau ROG Phone. Alors, vous en doutez, y a pas qu'un téléphone dans le truc. Parce qu'en fait, le ROG Phone a été annoncé comme LE smartphone gaming. Et du coup, je vais avoir tous les accessoires pour tester ça. Alors c'est parfait, parce que moi, y a un truc, vraiment, que j'ai raté, c'est le jeu mobile. Genre, la dernière fois, je suis allé dans le store, y avait ARK. La version de PUBG Mobile, elle est trop bien. Y a GTA, San Andreas, y a plein de trucs. Je vous ai d'ailleurs demandé quels étaient vos meilleurs jeux sur mobile, on regarde ça après et je pourrais aussi les tester parce que vraiment c'est un truc que j'ai totalement loupé. Passion l'unboxing. Putain, pour une fois il va me servir à quelque chose ce couteau. Je voudrais vous faire un petit ASMR. On y va tout doucement. Je me suis trompé de côté. Je vais le retourner. Ouais, je l'ai éventré. Putain, j'ai pas l'habitude de faire des unboxings et trucs comme ça, des colis trop stylés. Ah, je suis content. Mais comment ça s'ouvre? Pas fait les choses à moitié, Asus. Eh, il y en a du scotch. Vous payez pas le scotch, Asus? Get so. Ah, il y a du scotch aussi ici, hein. Il y en a ici encore. Et où la bête? Montrez-moi le ROG Phone. Comment on l'ouvre? Oui, j'ai pas l'habitude. Attends, mais il y a carrément un sac encore. Putain, ça s'arrête jamais. Mais c'est une valise. C'est une putain de valise. C'est un escape game en fait. Attends, il y a un code. Est-ce qu'il faut déchiffrer le code, Asus? Il y a une énigme ou... Ah, ils sont trop gentils, ils m'ont fait un petit mot. Cher Cyril, tu trouveras dans ce colis le ROG Phone accompagné de sa valise d'accessoires. J'espère que les produits te plairont et que ton test des meilleurs jeux sera concluant. Oui, parce que j'aurais dit que justement je voulais tester les meilleurs jeux sur mobile parce que je connaissais pas. Ils sont trop gentils. Elle a mis son 06, Camille. Non, je... Ah, putain. Oh ouais! Bon, on regardera les accessoires après. Le précieux. C'est trop bien les unboxings! Ah ouais! Je regarde que pour moi! C'est de toute beauté! Bon, je vais tout installer, je vais essayer de mettre les accessoires et on se retrouve juste après. We are back! J'ai tout setup. Franchement, j'avais tellement d'accessoires, je savais pas lequel utiliser. Je vais utiliser le Professional Dock. Donc en fait, si vous voulez, ça marche comme une carte d'acquisition. Comme ça, vous avez une qualité optimale pour le gameplay. J'avais aussi ça, le Twin View Dock. Pour avoir deux écrans, vous mettez le téléphone au-dessus. C'est ouf. Il y avait aussi le dock bureau. Vous mettez votre téléphone ici, vous pouvez brancher un clavier, une souris pour les jeux qui sont compatibles. Et j'ai aussi une manette. Vous mettez le téléphone au milieu et ça vous fait un peu comme une Switch. Mais c'est pas fini, j'ai aussi le WiiGeek Display. Donc ça c'est pour mettre sur la télé. Par exemple, vous prenez la manette que je vous ai montré plus le WiiGeek, ça fait une Nintendo Switch sur la télé quoi. Merci pour tous ces accessoires Asus. Mais là clairement, je vais pas pouvoir tous les tester. Restons simples, le téléphone, ça c'est fourni avec. Il sert tout simplement de plug pour le relier au dock. Et en plus, vous avez un ventilateur dedans, comme ça pas de surchauffe. C'est énorme. Je peux tout contrôler là? Oh, là je suis sur mon petit panel, donc je le mets en mode X. Voilà, là ça explose la puissance. Je vais mettre le ventilateur à fond. Non mais là clairement on est sur un modèle pur gaming. On est dans la puissance hein. On part sur du 8 Go de RAM. On a un système de refroidissement en chambre à vapeur. On part quand même sur du 128 Go de stockage hein. On est là pour faire des top 1 hein. On va regarder un petit peu ce que vous avez mis comme jeu. C'est quoi les meilleurs jeux sur mobile? Hearthstone. Mon cul créateur. C'est vraiment la meilleure application que j'ai vue de ma vie. Candy Crush frère. C'est Ross, tu es condamné à mort. Tinder, Doodle Jump, Snake. Putain, y'a que des trolls. En ce moment c'est Brawl Stars, ça j'ai vu. J'ai déjà testé dans un Uber, alors ça compte pas. Mais y'a trop Summoner's War, mort vous kiffez. Allo Spartan Assault. Oh ma troll. Je pensais qu'il y avait un jeu Halo, c'est des mensonges. Brawl Star. Bon bah, on va prendre Brawl Star. Numéro 1 des jeux gratuits. Dokkan Battle aussi pas mal. Oh, c'est un Dragon Ball. Ah, c'est pas un jeu de combat direct, je sais pas si je vais aimer. Oh. Oh, j'ai le son dans mon casque. Oh, ah oui. Là, je pense que vous avez, c'était vraiment une réaction naturelle parce que j'avais vraiment peur de pas avoir le son dans le casque. Mais là, je suis branché en Ethernet via le dock HDMI sur mon PC. Je record, bam, son dans mon casque. Plaît. Plus de bonhomme. Ah oui, Grand Theft Auto. Aïe, 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 San Andreas, Vice City, Grand Theft Auto 3. Oh, j'ai envie d'en prendre un. San Andreas, direct. Et c'est parti pour une petite compilation de jeux mobiles.
Il y a un CS, c'est quoi ça? Je veux tester Standoff 2. Alors ici on a un petit compagnon de jeu vidéo. Regardez, on a les Air Trigger. En fait vous avez pas de bouton ici, mais il y a tout simplement des capteurs qui simulent des gâchettes. Donc pour un jeu comme ça d'action, c'est trop trop bien. Ouah, j'ai trouvé direct. Alors en plus c'est vraiment un peu les mêmes maps. La puissance du Rockfon cumulée à la Dragon Lore. Le sang va couler. Waouh! Non! C'est ouf! Mais c'est limite plus beau que CSGO! Alors par contre, j'ai pas les Air Trigger. Est-ce que je peux les mettre? Activer? Ah oui, donc là, ça marche! Et c'est super fluide, c'est nickel! Regarde, ça joue et tout, ça se cache! Et ce qui est génial, c'est que moi, je peux tirer comme ça, quoi. Je suis pas obligé d'appuyer, vous savez, sur le bouton, là. Hein? Oh, wow, 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 wow! Oh, il m'a mis cher! Yes! Oh, il m'a... Il y a les kill cam et tout, waouh. Il pose la bombe. Le joueur français qui va tout tenter, il va tout donner. Rien ne va plus pour lui. 1v2. En face, il y a du lot, ça peut le faire. Cuba Miller, peut-être. Let's go! Par contre, c'est abusé comment c'est similaire, quoi. Même le scoreboard et tout, c'est pareil. Là, je vais pouvoir acheter. Punaise, regardez comme c'est joli, franchement. Allez! Massacre! Oh putain, j'ai... Oh, la tête! Oh là là, trop facile, vas-y, c'est fini, c'est fini. La puissance du Rockfon. Alors ça, c'est le jeu que vous m'avez tous conseillé. Récupérer toutes les gemmes. Je récupère les gemmes. C'est les gemmes, les pouces bleus. Holy shit. Bam, bam, bam. Ah, j'ai triché, j'ai déjà fait une game, donc... je sais comment ça marche un petit peu. Attends, j'ai complètement oublié que j'étais en vidéo et là j'étais vraiment en train de geeker ça en fait. C'est hyper addictif comme truc, j'ai totalement oublié, j'étais comme ça genre hypnotisé. Ah, victoire facile, forcément, forcément. C'est clairement le jeu des enfers, très addictif. On est face à quelque chose de très dangereux. Je quitte. Shadow Guns Legends, PVP. Et c'est parti. Allez, salut. Créez votre légende. Plutôt svelte, hein, plutôt svelte, on va pas se mentir. Oh, discrimination! Y'a pas vraiment de roue! À quelle fréquence jouez-vous à des shooters? Tout le temps, gros! Tu connais sur mobile! Rockfon, la puissance, Air Trigger! Besoin de rien! Waouh! Oh là 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 là, y'a un shop et tout, bien sûr! Encaissez le chèque, direct! Moi, j'encaisse! C'est Destiny le truc, regarde ça! C'est trop trop bien fait! Allez, on va se faire une petite mission! Wanna kick some alien ass. Oui! Waouh! Ok, première mission, c'est parti. Wow. Woo. Allez, allez, fais tout péter là. Michael Bay. Oh, wow. Ah, c'est du gros shooter. Oh là là, ça pète de tout partout. C'est des gentils ça ou c'est des aliens? Ah ouais, c'est des alliés. C'est quoi ça? Mais what? Mais je croyais que c'est possible ça sur mobile! Mais on m'a menti pendant des années! Crève saloperie! Ouais! Oh là 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 là! Eh, ça part dans tous les sens! Donc clairement, moi j'étais encore en 2007 où pour moi les jeux mobiles c'était Flappy Bird. Autant dire que la claque est plutôt violente. Il y a un Battle Royale qui est déjà installé, on va tester ça. Le coquelicot mortel débarque sur son mobile. Bon, première game, premier top 1, j'annonce. Alors, où est-ce qu'on se... Oh là! Pochinok! Ouais, j'ai un snowboard! Est-ce que je vais faire du snowboard? Allez, on y va, on y va, on y va. Putain, en tout cas, c'est super fluide. Oh! Il y a quelqu'un! Allez! Ah! Allez! Il est bas, il est bas, il est bas, salaud! Oh, ça! Oh là là, mais attends, j'ai déjà 3 kills! Tout ça grâce à la puissance du Rockfon. Ah! Oh! Ah! Saloperie! Gagne-le, 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 gagne-le! Je vais me le faire! Oh! Ah, oh, j'ai eu chaud, il allait m'écraser! Oh, il était stuff de ouf! Oh là là, medikit! Oh, on tient dessus! Allez! Boum! Je suis invincible, gros! La puissance de Rockfon! 9 kills, première game! Gagne-le, gagne-le, gagne-le! Il a que sa poêle! Alors! Regarde ça, regarde ça, regarde. C'est des bots, c'est des bots.
C'est pas possible. Bon bah 1v1. C'est à ce moment-là que je compris. Depuis le début, je jouais contre des bots. Puisque tu es un bot, j'y vais avec honneur. Viens ici, saloperie de bot. C'est trop marrant parce qu'il veut vraiment pas se battre. Je pense qu'il y avait pas que des bots, mais là, c'est clair que les derniers, c'en étaient. Ah, trop facile. Oh, les sons à l'ancienne. Ouais. Le copyright. Putain, c'est comme avant, quoi. Ils ont reçu à foutre San Andreas là-dedans. Je m'avais dit ça quand je jouais à San Andreas sur ma PS2, mais je l'aurais jamais cru qu'on puisse jouer sur mobile, quoi. Ah là 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 là, quelle nostalgie. Oh, la moto. Paf. Allez, les balas. Paf. Et on n'oublie pas les bonnes habitudes. Oh, j'ai une étoile. Oh, y'a... Bah, ça commence mal. Je viens à peine de commencer, je suis au comico. Bah franchement, il a pas perdu, je trouve, en termes de beauté. Je trouve toujours aussi beau ce jeu. Il a son style, tu vois, mais ça passe crème, quoi. Bon, de toute façon, c'est le début du jeu, il y a pas grand-chose. Et puis, c'est un mauvais exemple, hein, pour tester le téléphone. Parce qu'il est un peu vieux, San Andreas. Alors, ARK, je veux vraiment voir ce que ça donne, parce que sur PC, le jeu était pas du tout opti. Il nous avait vendu du rêve et c'était vraiment pas ouf, visuellement. Ah, en tout cas, ça se lance vite. Bon, allez, on spawn, c'est juste pour voir. Waouh! Sérieux? Ils ont quand même réussi à faire un truc, hein. Genre, franchement, la différence avec le PC, elle est pas non plus... Ah, par contre, en termes de jouabilité... Oh, c'est parti à l'attaque, le dodo! Oh, il me love. Voilà! Voilà! C'est ça, RK! Oui! Oh non! Eh, salut! Plutôt gentil ou plutôt méchant? Ni l'un ni l'autre, quoi. Eh bah, tiens! Tiens! Oh là! Ah! Oh! Il m'a envoyé! Ah! Aïe! Oh mais. Il veut quoi, lui? Aïe! Pas sympa! On arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, un immense merci à Asus pour ce partenariat, vraiment, c'est trop stylé. Je vais le garder, précieusement. Dans la description, il y aura un lien si vous voulez acheter le ROG Phone. Je ferai une liste aussi de tous les accessoires que j'avais. Merci à tous ceux qui laisseront un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous pouvez me dire aussi quels sont vos jeux préférés, parce que je pense que je les ai pas du tout tous vus. Donc s'il y a vraiment des gros jeux, n'hésitez pas à partager. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!